Nous avons également évoqué la lutte contre le terrorisme, qui doit être conduite dans le respect constant des libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de mettre fin, à partir de demain, au régime de l'état d'urgence qui avait été instauré après les attentats de novembre 2015 et qui nous avait conduit à invoquer l'article 15 de la Convention. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme n'a aucunement pour objet de pérenniser l'état d'urgence, comme certains l'ont dit, mais elle prévoit des mesures nécessaires à la protection de nos compatriotes, strictement définies, encadrées et soumises à un contrôle renforcé du juge, qui nous permet d'être tout à la fois efficace dans la lutte contre le terrorisme et de pouvoir mettre fin à la procédure d'exception que nous avions ouverte il y a maintenant 2 ans.